Non, frère. Oh, c'est magnifique. Ouh. C'est pas des conneries. Ah, mais en fait, du coup, c'est ça. Ça veut dire que c'est pour ça voilà. Que quand tu fais l'amour, la femme elle mouille, c'est pas parce qu'elle kiffe, c'est parce qu'elle veut dégager le corps étranger. C'est le corps qui te dit, hey, casse-toi. Oh, putain, c'est un corps étranger. Ah, ouais, mais ça change toute ma perception maintenant. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie devant ce magnifique miroir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode exceptionnel de notre aventure sur Planet Crafter. Regardez comme je bouge. Et non, évidemment, c'est une plaisanterie. Regardez le miroir et je sors de l'âme. C'était pas un miroir, évidemment, c'était un poisson d'avril. Bonjour Ludo. Là, les gens vont se dire, mais comment il y a un miroir dans ce jeu? Je te jure, ouais, il est trop bien ce jeu. Salut, comment tu vas? Bah, moi, ça va mieux que toi. Oui, bon, voilà. Bon, il a des hémorroïdes dans l'œil. Oh putain, arrête, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais en tout cas, voilà, les amis, j'espère que vous allez bien. Ludo, il va pas très bien, donc à tout moment, il va rien voir sur non, le jeu. Non, 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 juste un léger corps étranger dans l'œil. Ah. Mais tout va bien, vous inquiétez il pas. Il s'est dit, tiens, et si je mettais mon zorb? Non, t'inquiète, ça va le faire. Non, non, vous inquiétez pas, il est allé aux urgences, il a eu la bonne idée évidemment de ne pas attendre. Du coup, les amis, plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer et plein de choses à faire pour cet épisode. Regardez en haut à droite l'indice de terraformation 12 GTI, c'est de la folie, je ne sais même plus où c'est qu'on s'en était arrêté. Ouais, à 12 piles en plus, c'est magnifique. On était à moins que 5, je crois. Waouh, ah oui, donc c'est le jour et la nuit. Parce que à 5, on a débloqué quelque chose de fou et on l'avait pas débloqué. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est absolument possible. Alors, vous ah avez... voilà, c'était l'incubateur, pardon. Ouais, bah on va y venir. 5 gigatei. On va y venir sur tout ça. Regardez donc là-bas la végétation qui a pris le dessus sur le vaisseau. Et justement, au milieu de l'épisode, on ira voir là-bas, vous allez voir pourquoi. Au niveau du bureau, voilà ce qu'on a rajouté. Un petit bureau là, un petit miroir là. Enfin, c'est pas un miroir, du coup, c'est une fenêtre, vous l'aurez compris. On peut regarder donc les déblocages, c'est juste la folie. Puisque dans la pression, on n'a plus rien à débloquer à part l'extracteur de minerai T3. Dans la chaleur, on n'a plus rien à débloquer. Dans l'oxygène, on n'a plus que le semoir d'arbre T2 ainsi que le récupérateur de vie aquatique. On va pouvoir récupérer des poissons. Et le plus important, c'est la terraformation. Donc avec le téléporteur, c'est le prochain truc qu'on va débloquer, mon ref. Ah, ça va être trop bien ça. On pensait que ce serait pas pour demain la veille, et pourtant c'est pour demain la veille. Ouais, exactement. On a tout le reste qui nous attend ici avec des pépites. Et puis c'est pas fini parce que si on va avoir la biomasse, voilà, chauffage T5, fusée diffuseuse d'insectes, foreuse. Ici on a les larves, ici on a les graines d'arbres, nourriture machin, des œufs de poisson, des fermes à poisson. Enfin c'est vraiment la folie, je dors, je suis fatigué, je m'endors. Voilà, et je suis nouveau là. C'est formidable. Donc voilà, ah, cet écran là absolument que Ludo a rajouté qui est absolument incroyable. Effectivement. Voilà, on peut voir notre planète. Trop beau. C'est magnifique. Oui, parce que on a envoyé aussi la fusée satellite T4. Très exactement. Important. On a fait beaucoup de choses en vrai en off. Hein. On a fait pas mal de choses, mais bon, c'est des choses, voilà, pas très très très. Bah pas incroyable à faire en direct, mais quand même. Mais vraiment cool. Ouais, ouais, franchement. Et donc là, voilà, on voit vraiment la map grandiose. Et donc on a accès à notre carte, à notre monde avec les satellites qu'on voit en direct. Donc on peut voir évidemment Elon Musk qui nous fait des petits saluts. Et voilà notre planète qui n'est plus orange et qui ressemble fortement à la Terre. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui. Attends, toi tu la vois comment la planète là-dedans? Je la vois presque comme la planète Terre. Sérieux? Ah, pas toi? Ah, pour moi elle est toute jaune, aride, sèche, non. Horrible. Non, je te crois pas. Je te promets. Ouh, oh bah tu verras l'épisode, ouais, ça n'a rien à voir. Elle est toute orange, toute... Enfin, comme au début, quoi, en fait. Hein. Ah, vraiment, ah ouais? Ah oui, non, mais là, elle est vraiment comme là. C'est-à-dire que même pas une trace d'eau, tu vois. Rien ah, du tout. Ah, bah, il y a plus d'eau que d'herbe hein, chez moi. Ah, non, moi, il y a un petit bug. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon. Au mieux que ce soit chez toi que chez moi. Oui, c'est clair. Bah, tu verras, franchement, c'est assez impressionnant. Je verrai, ouais. Regardez la phase de terraformation. On est à 17% d'avoir l'atmosphère, messieurs, dames. Ce qui veut dire, en bas à gauche, regardez, on est à moins 1,3 par seconde d'oxygène. Donc, vous l'aurez compris. Très bientôt, on va pouvoir respirer à l'infini. Nous avons l'atmosphère et ça, ça fait plaisir. Voilà, très très hâte évidemment. Je vais encore dormir. Trop bien. Non mais, il faut quoi, de l'eau? Ouais, je suis fatigué. Je suis en manque d'eau. Ah, ça va mieux. Ah bah là, c'est bon, je suis full. Nous avons jeté des plantes. Ah oui, alors, on a jeté des plantes un petit peu ici et là. Vous allez vite le voir, c'est Ludo qui a eu une très bonne idée de décorer. D'habiller la base. D'habiller, voilà, d'habiller la base. Puisque nous sommes habillés, donc autant habiller la base, bien sûr. Niveau énergie, regardez. 5000. Mon ref.
Bah let's go, c'est parti. Regardez. Oh là là. Ah bah c'est la même chose. On a eu ça en off ça, les amis. C'était quoi? C'était le, je sais plus, le quartz. C'est le quartz, ok. On a eu ça en off les amis. Si je sais plus. Il va aller au même endroit. C'est une seule météorite et on l'a eu en off. Et ouais, c'était donc du quartz. Et donc on suppute. C'est une grosse météorite. On suppute que le quartz solaire et tous ces trucs là, ça viendra par là. Alors est-ce que c'est le même du coup? Ça, lequel? Bonne question. Est-ce que ça reste du quartz violet? Bah je pense vu que la météorite elle est violette. Alors. Et c'est du quartz violet, c'est pareil. Bon bah pour les réacteurs à fusion c'est parfait. Oh bah c'est. Mais justement, alors ça tombe super bien la transi parce que je voulais montrer l'énergie. Incroyable. Eh mais il y en a beaucoup plus que en moi j'en ai 3. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah c'est bon, on a les 10. Allez, hop. Oh là là, donc il y en a 10 par météorite. Ouais. Oh c'est superbe. Ce serait bien que ça ramène d'autres quartz quoi. Bah je pense que le quartz solaire et tous les autres trucs vont arriver par la suite quoi. Ouais, quand on aura plus de terraformation peut-être. Je pense. Alors tu sais quoi? Allez. Je vais te les donner. Ah bah je suis remonté, je sais pas où t'es. Je suis là, j'arrive, t'inquiète. Je vais te les donner comme ça si. Enfin je sais pas si tu veux refaire direct de la. Oh bah pour l'instant on est tranquille. Ah ok. Tiens. T'es en train de leur montrer, donc je te laisse, je te relaisse en haut, montrer l'énergie. Ouais. Énergie, regardez-moi ça les amis, l'énergie c'est absolument incroyable. 5000 kilowatts puisque nous avons donc 5 générateurs fusion nucléaire. Oui, il s'en est passé des choses, on peut le dire. On va regarder après dehors, oh, parce que ça clairement. A bien changé. Clairement, les réacteurs nucléaires bien sûr qui sont tout de suite bizarrement bas de gamme. Bon, les panneaux solaires c'est plus décoratif maintenant. Et voili voilou. Ok. C'est vrai, parce que 15 panneaux solaires T1, waouh. Tout à fait. Je sais pas où ils sont ceux-là. Bah ça ils sont à la première base hein. Je crois au tout début ouais. Clairement. J'ai ajouté ici notre chambre enfin. Bah oui parce qu'on n'avait pas encore de chambre. Alors évidemment c'est très sexy, c'est très rose. Avec une petite vue évidemment panoramique. Et puis un petit canapé si jamais l'autre dort encore. Et voilà, enfin après vous pouvez vous imaginer tous les scénarios possibles hein. Et on peut même s'asseoir l'un sur l'autre, c'est superbe. Ah oh là là. C'est un peu gênant là ce qui se passe. Voilà. Ah, ok, ah oui, pardon! Oh là là! J'arrivais plus à parler! Ouais, c'est vrai. J'étais en train de m'étouffer. J'ai remarqué, attends, moi je vais redormir. Vite. Je suis pas fatigué. C'est bon, je suis fatigué. Très bien. Du coup, voilà l'habillage de la base avec des petites plantes et des mobiliers un petit peu ici et là. Très bonne idée de la part de Ludo, bien sûr. Et exactement. Pour nos futures plantations, puisqu'on va pouvoir débloquer des plantations, bah voilà, on a fait des petits jardins intérieurs-extérieurs, comment dire. Ouais, des petits jardins fermés quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Je sais pas le nom que ça sur. Ben voilà. Ouais, des petits bacs de fleurs, on pourra mettre là. Enfin voilà. Des jardins fleurs. En plein air, je crois que c'est pas ça, non? Je sais un pas, mais j'ai l'impression que tu répètes la même chose et c'est formidable. Ah, ouais, on a ajouté des portes de parts et d'autres, puisqu'ici on a ajouté en effet une nouvelle plateforme pour accueillir des nouveaux VG-tubes T3 plus optimisateur de machine absolument ici. Avec les multiplicateurs d'oxygène, autant vous dire que voilà, c'est ça qui régale la terraformation, on va pas se mentir. Ouais. Clairement. Et puis de l'autre côté, justement, on accède à tout ce qui est énergie et les fameux. Ah non! Ah si! Ça, c'est justement les réacteurs à fusion. Ça, c'est les réacteurs à fusion, ouais. Les 5 avec les chauffages. On pourra enlever les deux là, tu vois, et mettre que des réacteurs à fusion. Ah, les deux nucléaires là? Oui, bah ouais, ils servent plus trop à grand chose. C'est vrai. Mais en même temps, ils sont jolis quoi. Mais c'est joli en vrai, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, l'avenir de. Notre avenir dans la vraie vie, c'est quoi le mieux? C'est la fusion ou le nucléaire? Tout à fait. Ah, mais ça faisait un beau bruit, moi j'aimais bien. Ah, c'était ça qui faisait le bruit, mais oui! C'est ça. C'est tout calme, eh ben, tu d'un sais coup. Quoi? On va les remettre. Ah. Je trouvais ça beau en vrai. Mais c'est vrai que c'est bien quand c'est calme quand même aussi. Bon, tu fais comme tu veux, franchement, de toute façon, là on a vraiment de l'énergie à foison. Donc ouais, clairement il n'y a pas de souci. Alors je vais juste vous montrer la suite un petit peu. Donc là, ah oui, là c'est quand même très sympathique. Oh, t'as acheté un canapé là aussi? Ouais. J'avais mais pas non, il nous manque un tissu pour faire l'autre du coup, bah, d'accord. Mais en vrai un seul ça c'est bon plus tard. Il y a même pas besoin hein. Moi, ouais, c'était pour faire un peu voilà un peu plus ouais ouais. Moi ouais. J'aime bien là. Oui, un seul c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Franchement c'est cool. Avec le petit présentoir ici. On a une meilleure vue maintenant aussi sans les réacteurs nucléaires. Ouais, en vrai, ouais, non, mais t'as raison. Ouais, on laisse comme ça. On va laisser comme ça. Et salut à tous. Nous avons ici, alors, le manipulateur d'ADN, je crois qu'on l'avait fait en vidéo. Je sais plus. Ah si, tout ça on a fait en vidéo, en fait, y'a plus rien à voir ici. Ah oui, t'as vu ce qu'on a débloqué aussi? Faut que tu le remontres, hein. Alors... Là, regarde, dans la TT3, un nouveau filtre.
Tout à droite. Mais... Ah oui, on a débloqué le filtre à eau qui nous permet de boire directement Et l'eau des lacs. oui! C'est une dinguerie. C'est une Et on dinguerie. s'est fait l'exosquelette T4 aussi. T3, pardon. Ça, on l'avait fait en vidéo, je crois. Ou non, même pas. Je sais Non, non, plus. là, on l'a fait la dernière fois avant de déconnecter. Ok. Ah oui, c'est Bon, ça. c'est rien de fou, Ça nous rajoute en fait des nouveaux emplacements pour les gadgets, quoi. Ok. voilà. Est-ce qu'on a moyen du coup de les faire, ces fameux filtres à eau? Oui. Non, on n'a plus de tissu. Mais non, il n'y a pas À besoin de part si faut tissu. qu'on. Si, il faut un tissu. Ah bon? Mais non, Ouais. faut les granuler. Alu, silicium, tissu, granulé, bouteille d'eau. Attends, je suis débile. Ah oui. Ah oui, on a plus de tissu. Bah oui, on a Du fait les coup, canapés. il faut casser ce canapé. On en a deux, on peut faire ça. Allez hop. Allez, je cherche les biogranules là. Vas-y. Il en Je faut vais chercher le 4. silicium et l'alu. Parfait. Ouais, comme ça on pourra boire l'eau des lacs et tout, c'est incroyable. Oui, quand on part en expédition, on s'arrête à de l'eau et hop, on peut boire. Ah ouais. Plus besoin d'emmener des bouteilles. Mais c'est clair. Mais non, mais c'est vrai que ça change la vie de ouf. Ah oui, ça va être cool. Ça va être dingue, c'est comme respirer à l'infini là, on y arrive et tout, hein. Oh. Alors, Alors attends, j'ai mais. juste tout le quartz et les barres. Ok, c'est bon. On est Gucci. Il faut des bouteilles d'eau, t'en as? Pas du tout. Ouais, non, c'est bon. J'en ai. Parfait. Tiens, je te donne mes Je te granulés. donne ça, ça, ça et ça. Merci bien. Moi, je prends ça et ça. Et normalement, on a ce Oh qu'il là faut. là là là. Oh là Et là là. pouf! Eh ben, Magnifique. on va pouvoir essayer ça juste après, les amis, puisque on a encore des choses à vous dire et à vous montrer. Mais d'abord, on va pouvoir parler de ce qu'on a débloqué encore en off, parce qu'on en a débloqué des choses. Et si vous regardez bien, nous avons débloqué le dôme papillon, ainsi que Incroyable. un incubateur, ainsi que une ruche. Bon, la ruche, on peut pas la faire, puisqu'il nous faut une larve d'abeille. Et on n'a pas encore ça. Cependant, on va pouvoir faire le dôme papillon et l'incubateur. Alors, le dôme papillon, j'ai déjà ce qu'il faut Ouais. sur moi, presque. Je te laisse prendre ce qu'il faut pour l'incubateur. Allez, super. Ah, Et comme ça, on pose l'incubateur dans le biome papillon. Ludo, Ludo, je voulais te dire que t'es un amour de me donner exprès les trucs plus simples. Ah, c'est plus simple Je sais pas si tu le fais exprès, l'incubateur? mais je trouve que c'est super Ah bienveillant de ta part. oui, c'est totalement bien sûr, j'ai fait ça Ah, t'as même exprès pas fait pour exprès. que Bah, c'est tant mieux. ça soit plus simple pour toi. Non, mais je trouve ça trop cool, voilà, moi Non, je sais je. pas, j'ai commencé à faire le papillon, donc je me suis dit vas-y, je vais faire ça. Allez, bah super. Voilà. Ok, j'ai de quoi faire, je Il me t'attends. faut l'écorce. Ah bah, et du coup, attends. Et Tranquille. la zéolite, et on est bon. Allez. Ah, c'est superbe. Franchement, c'est superbe ce qui se Hop! passe. Voilà. Et donc, le biome papillon, tu veux le mettre où? Eh bien, salut tous les amis, c'est Ladite, comment allez-vous? Moi, je dirais ici, tu vois. Genre là. Vas-y. Ah merde, attends, il manque un engrais. Genre, est-ce qu'il faut. Voilà, c'est bon. Ah bah voilà. Genre, bam. Celui-là, il est vert, donc ça peut faire sympa avec le. Non, franchement, t'as raison, c'est pas mal. Oh là là, c'est beau. Et là, on n'a plus qu'à mettre dedans. Ah bah attends, je vais les chercher, reste là. Pourquoi tu les as? Mais on les a. Mais ça y est, perd la Non, mémoire. non, non, parce que c'est des. Ah, c'est des larves que tu mets dedans. Bah logiquement, oui. Ah oui, bon, bah alors on a, oui, en effet. Oui, parce qu'en plus, on a différents types de larves. Oui, c'est bon. Oh, superbe. Waouh, Oh là c'est là. beau. Ah, c'est cool. Magnifique. Allez, graines Ah d'arbre bah. Sarnéa. Très bien. Parfait. Est-ce que je peux poser du coup dedans l'incubateur? Pas du tout. Ah bah, ça peut pas. Non, bah. C'est Ouais, pas c'est un grave. peu sûr. On va le mettre là? Non, c'est chiant là. Non, on va le mettre dans notre salle. Bah, hé! Attends, 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 hé, attends. Ouais. Alors, on a deux biomes T2, ok? On peut pas build à l'intérieur. Ouais. Mais dans le biodôme T1, on peut build à l'intérieur. Donc est-ce qu'on le foutrait pas ici le T1 juste pour pouvoir build à l'intérieur et foutre tout ce qui est incubateur, truc pour les trucs vivants, tu vois. Mais à quoi ça servirait de Comme ça faire un c'est. biodôme T1 du coup? Attends. Bah juste pour construire dedans en fait. Au lieu de faire un habitacle moche, tu vois, on se fait un dôme où on peut build dedans. C'est juste esthétique, Ça quoi. peut être sympa. Oh là là, Voilà, c'est trop nourriture joli. de haute qualité. Vas-y, je te laisse Attends, faire le biodôme. ça coûte que dalle, donc je vais le faire pour voir si ça Ça rend bien, tu marche. vois, si Vas-y, ce que t'en vas-y. penses. Je suis grave chaud. Moi, je vois comment on fait la nourriture haute qualité. Comment on fait ça? On vient de le Alors là. débloquer, mais alors là, ouais, bonne question. C'est pas dans l'établi, évidemment. Est-ce qu'on a encore une graine de lyrma? Il nous reste ça ou pas? Le truc le plus classique qu'on trouve, on Oui. en. Ouais. J'en avais rechopé en plus. Ouais, c'est bon. Il y en a pas mal. Ah J'en ai oui, rechopé ça doit être là. dans des endroits qu'on avait Ok. explorés. Alors, biodôme T1, regarde. Ça peut être sympa. À gauche ou à droite? Ah bah non, c'est un. À gauche. Yeah. Voilà, tu vois, ça fait un dôme. Ouais, c'est sympa.
Et donc En on peut vrai, construire et là on dedans. peut build, tu vois, on peut mettre des trucs ici, on peut mettre en Ah face, et voilà, c'est juste punaise. pour... Ok. C'est esthétique, quoi. Allez. Ah, par Puis contre, c'est je beau, peux tu vois, avec pas. les capsules et tout, là, c'est... Ah, voilà, superbe. Waouh, trop bien. L'incubateur. Et donc là. Oh! Oh là là, les séquences génétiques. Et là, manipulateur d'ADN. Mais on l'a déjà, le manipulateur d'ADN en plus. Ouais. D'accord. Multiplicateur d'insectes. Ok, bon, bah c'est bon à savoir. Moi, je voulais avoir un caméléon, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, autre chose qu'on a débloqué encore, les amis, et on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de choses. On va pas s'arrêter là pour cet épisode, mais en tout cas pour le blabla. On a débloqué les fusées commerciales. Ça, c'est un truc qui t'a fait exciter. Ah. Ah oui. Ah oui, les amis, on a Ah pris des ça. notes, hein. On a pris des notes pour pas oublier ce qu'on avait débloqué. Ouais, parce que sinon Alors attends, je vais tout de suite prendre. Vas-y. Pendant que tu le fais, j'explique qu'en gros, Là. ça permet Vas-y. d'envoyer des fusées dans l'espace pour gagner des jetons Terra qui peuvent être utilisés pour débloquer de nouvelles recettes et de nouveaux objets. Donc en gros, souvenez-vous qu'on avait exploré un des vaisseaux spéciaux, on avait débloqué des jetons Terra justement. Et pour le moment, par contre, les jetons Terra, on n'a jamais su à quoi ça servait et comment les utiliser. Maintenant, on a compris que les jetons Terra pourront nous être utiles pour débloquer des nouvelles recettes et débloquer de nouveaux objets. Alors pour le moment, on ne sait encore pas où. On peut débloquer ces objets, mais maintenant on sait comment gagner des jetons directement. Voilà, grâce à cette fusée commerciale spatiale, on va découvrir ça ensemble, les amis. Ok, Allez, c'est bon. let's begin. Ça régale. Et ouais, en vrai. Bah logiquement, attends, directement, c'est grand comment? Oh, c'est tout petit! Ah bon? Ouais! Oh, je sens que c'est ridicule. Vu comment tu Bah... regardes. C'est... Ah! Ok! Ça, c'est bien fait par contre. Ça communique. Ok. Vas-y, Je la mets où? Attends, je vais la mettre ici, en haut de ce côté. Non? vas-y, vas-y. À Ah non, on peut pas parce qu'à cause. cause de quoi? Ah bah en fait, pas parce que à cause du rocher là, comme il y a un autre niveau, tu sais. Ah, et là, tu C'est peux pas à alors? plat. Là, je peux, oui, ici, Ouais, ouais. vas-y, hein. En plus, dans la fumée et tout, on voit rien, c'est cool. Putain, mais. Mais je suis débile ou. Pourquoi c'est rouge partout maintenant? Mon En fait, je frérot. vais le faire. Ah voilà, ok, c'est bon. Tu veux à peu près où? Ici ou de Ouais, quel côté? vas-y, je te fais confiance là où tu le sens le mieux. Là où on le voit bien, quoi. Mec, j'ai. C'est vraiment mal foutu par contre. Tu veux que j'essaye ou quoi? Ah mais en fait. Parce qu'en fait la plateforme elle est genre 50 mètres devant toi, tu vois, l'hologramme. Ouais. C'est. C'est un peu mal foutu ça. Ah, merci. Ok. Ah non mais attends, compliqué Oh, hein. on a reçu plein d'achievements en plus. Oh putain, t'avais Alors. raison. Bon allez, bon je vais vous dire, oh c'est incroyable. Oh là là. Alors, déjà je veux tes excuses. Je m'excuse, même si personne n'a vu ce que je lui ai dit en off. Oh c'est incroyable. Bon en gros, je vous explique. Ludo, quand on a débloqué la fusée commerciale spatiale, il a dit « Ouais, viens, on l'a fait, on l'a fait !» Bon, moi, dans tous les cas, je lui dis « Non, on attend qu'on soit en vidéo, on verra ça un autre jour. » Et après, j'étais en mode « De toute façon, c'est juste pour débloquer des jetons Terra, on sait pas encore les utiliser. » Et Ludo, il fait « Ouais, mais si ça se trouve, en construisant la fusée, eh ben, c'est comme ça qu'on pourra acheter des trucs. » J'ai dit « Mais frérot, tu sais pas lire ou quoi? C'est écrit que ça Je va... lui ai bien. Bon, bref, j'étais un Je lui ai petit bien peu... dit, je suis sûr, sur la plateforme, il y a un PC où on peut acheter des choses. Allez, c'est bon. Mais non, c'est pas possible, regarde, c'est pas écrit, blablabla. Elle avait raison, t'avais raison, je l'avoue. Et donc, Ah, mais ouais, voilà. oh là là, canapé Alors. perso. Oh, regarde, frère, tout ce qu'il y a débloqué. Mec, poste de cuisson, tissu Oh. intelligent, canapé, lit personnalisable Mais attends, mon gars, pour tirer tu sais fusible. qu'on a 13 000 jetons en plus disponibles là. Ouais. Casier de Hein. Oh. stockage T2. Non. Compartiment de vie 3x3, drone T2, compartiment de vie. Ah! Quoi? T'as acheté quoi? J'ai direct acheté le casier T2. Hein. Oh! Bon bah c'est pas pour tout de suite hein. De quoi? La fusée commerciale revient dans 188 secondes. Dans 5 minutes, Ah allez. bah ça va. Bon je suis désolé parce que là je me suis enflammé, j'ai vu casier T2, j'y suis Ah allé mais hein. du coup on peut plus regarder du coup ce qu'il y a. T'aurais dû attendre. Ah bah voilà. Ah C'est bah pas grave. c'est pas grave. Mais il va Allez vas-y, revenir. lance-moi. Attends, ah y a pas de Bah bouton. là, je pense que ça va revenir et ça va réatterrir ici quoi. Ah, et on récupère le casier. Mais Et on non. récupère le casier. Bah si, je pense.
Mais attends, du coup, c'est concrètement, on est des prisonniers ici, hein, je le rappelle, on est des prisonniers. Pourquoi juste on va pas dans la fusée et on s'envoie en l'air? Ouais, mais écoute. Ouais, bon. Je propose des idées après tout, hein, si tu veux pas t'enfuir, y'a pas de problème. 500 secondes. Ça va, bah de toute façon, on a le temps de faire plein de choses parce que les amis, on a découvert quelque chose. Alors, ce que je te propose, déjà, boisson, on n'a pas besoin d'en prendre. Ouais, je vais quand même aller juste me décharger tout ce que j'ai sur moi là. Oui, tout à fait. Et on va partir. Savoir où tu veux aller. Évidemment, on se connaît trop, mec. Je vais vous montrer. Merde, si c'est bon. Un truc de ouf. Hein. Super alliage. Ici. Et du coup, j'ai récupéré de la peau d'explosive, des réacteurs nucléaires, c'est cool. Ok. Très bien. Voilà, c'est. Mais du coup, je prends juste de la bouffe et on est parti. Hein. Ouais. Ah non, mais l'eau, y a pas besoin. T'as vu, j'ai repris l'eau par habitude. On a plus besoin. C'est incroyable. Bon, oxygène, ça en a encore besoin malheureusement. Ouais, pour le moment. Et de la bouffe, pareil. Mais de moins en moins. Et ça fait plaisir. Ouais. Du coup, on a découvert un truc, les amis. Alors, je sais plus pour quelle raison on s'était baladé. Ah bah, on s'était baladé en off, justement, parce qu'on a vu les arbres pousser là-bas, justement. Exactement. Et on a découvert un truc. Bah oui, de boire en direct. Hein. Hop, on va essayer. Oh. Je viens de me péter les jambes. Oh, c'est superbe. Oh, c'est superbe. Et comment tu fais? Bah, la clic gauche. Ah ouais. Oh, c'est super. Ah ouais, mais ça y est quoi. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est la plantation, la végétation qui a pris le dessus sur le vaisseau et qui nous permet quelque chose qu'on fantasmait, souvenez-vous, récemment. Eh oui. Attends-moi. Parce que oui aussi, t'as pas dit, mais on a lancé quelques fusées d'épandage de graines. Peut-être pour ça qu'il y a des arbres un peu qui poussent partout. Oh mince. Je sais pas si c'est ça qui a fait ça, mais. C'est possible. C'est vrai que c'est possible. Après, de toute façon, tout évolue, voilà. Mais on a envoyé plein de fusées, hein, clairement. Mais j'avais pas vu les lianes là et tout qui poussent. C'est trop bien fait, par contre. Et là, c'est bien fait, tu vois, que la végétation se mélange aux structures déjà existantes. Tu vois, tout à fait. Et en fait, ce que t'as dit, t'avais raison en off. Tu disais, ouais, la fenêtre elle était déjà cassée ou pas. Mais non, en fait, c'est la liane qui l'a cassée. Et tu sais pourquoi? Parce que. Ah sinon... ouais, parce qu'on avait déjà fait le tour, je crois. Mais non, mais c'est pas ça, on aurait pu y aller, quoi. Voilà. C'est ça. Oui, parce que la dernière fois, quand il n'y avait pas encore la liane, j'étais venu et j'ai fait ça avec le jetpack et j'ai regardé, tu vois. Ah oui, c'était pas... comme ça tout autour. C'était pas cassé, quoi. Alors, attends, moi je fais legit, je vais aller à la liane, grimper, voilà. Oh bah, ça va. Et donc, ouais. C'est parti pour l'exploration. On s'est retenu. Oh non, il y a que ça, vraiment. Mais non. Oh, mutagène. Graines de l'Irma, engrais T2. On peut en créer. Y'a rien d'autre? Frérot. Non. Je te crois pas de toute façon. Frérot. Non, je te crois pas. Non, mais. Mais non, je te crois pas. Parce que là, c'est une porte qui s'ouvre, ça. Mais il y a les débris. Et on peut les enlever. Je peux juste en déconstruire. Mais... Tout à fait. Non, mais je te crois pas. Je te crois pas. C'est pas possible. Y'a autre chose. Non, arrête. Genre là. Allumé. Décollage, voilà ça. Mais non. C'est quoi cette merde? Tout cet engouement pour. Oh, j'avoue. Je me suis dit, on s'est dit, vas-y, ça va aller loin et tout. Toute une partie de vaisseau. Bon, d'accord. Très bien. Merci, bonsoir. Et bah, c'était de l'exploration intense. Ah, comme tu dis. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez vu, j'ai mis des balises avec des noms dessus pour nos minerais. Donc là où j'ai mis des extracteurs de minerais, genre iridium, aluminium, osmium, soufre, comme ça on n'est pas perdu. Ça fait plaisir. Parce que oui, on a découvert qu'on pouvait écrire sur les. Oui. Voilà, on est. Nous on faisait ça avec des codes couleurs au début, quoi. Ouais. Putain. Bon, ça c'est nous, hein, voilà, ça c'est notre duo. Les codes couleurs c'est quand même bien, tu vois. Oui. Mais avec un petit nom en dessous, c'est sûr que c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Bah, du coup, en fait, est-ce qu'on n'explorerait pas de nouveau les V. Mais frérot. Ouais. Viens, on va en vrai explorer les vaisseaux là-bas, balises rouges là-bas, tu sais, vers les nouveautés là-bas. Là, ouais. tu vois la végétation en face de nous? Ouais. Et ben les vaisseaux là-bas, il y a certainement des trucs qu'on pouvait pas déconstruire. Ah. Effectivement. Puis ça nous permet de voir également l'évolution du monde, se balader. Regardez comme c'est beau. Ah ben on voit mon extracteur de minerai là-bas. Oh, c'est beau, putain, c'est tout vert ici. Par contre, c'est. Ouais, ça c'est trop beau. Oh là là. Par contre, c'est dommage qu'ils ont pas fait pousser de la verdure là-dessus, tu vois. Sur les pitentaires là. Sur les. Genre des lianes qui montent. Ah. Là, les trucs en. Les genres de pierres là. Ouais. Bon, t'en demandes beaucoup là. Hein. Là, frérot, y'a des trucs à déconstruire T2, je crois. Ouais, mais ça doit être des. Là. Voilà.
Ah mais c'est des circuits imprimés, c'est vrai, je suis con. Bah c'est les circuits imprimés, y'a rien d'autre je crois. Ah, non, ah oui, est-ce que aussi on a découvert en jouant hors caméra, ouais. On a découvert ce qu'on fout Oh dans les réacteurs oui. à fusion là qu'il y a dans les vaisseaux. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors je sais plus où c'est qu'il y en d'ailleurs, a. Je sais pas. Ça c'est une porte qui s'ouvre ça. Je récupère les graines de l'Irma hein, mon pote hein, par contre. Hein. Ouais. T'en voulais pas, mais c'est vrai que là on en a besoin. Bon, dans ce vaisseau, il n'y a pas l'air d'avoir. Ouais, il y en a peut-être pas, mais en tout cas, ce réacteur qu'on parle. On voit très bien le truc à fusion, quoi, qui permet soi-disant d'ouvrir les portes. Et en fait, on a trouvé, en effet, c'est sur l'ordinateur ce qu'on va débloquer. On va débloquer, c'est quoi un nucléon, je sais pas quoi là. Ouais, c'est une pile pour fusion, je sais plus quoi. Ouais. J'avoue que j'ai plus le. C'est un truc qu'on ah bah va attends. Débloquer. Quoi? Regarde, on va pas faire les bébêtes. On prend ça. On prend ouais. ça. On rentre là-dedans. Tu veux faire un établi avancé? Et on fait ça. Et ah, donc c'est. Putain, bien vu. Bien vu. Ah bah c'est là, c'est pile à combustible. C'est où? C'est dans Terra? À 40... Ouais. 4, ah bah 4 voilà. Après le téléporteur. Voilà, c'est l'une de fusion nucléaire. Ah t'as vu maintenant? On voit la valeur commerciale de ah mais on trucs. Peut la payer mec, 80 jetons Terra. Aucun problème. C'est valeur à vendre ou à acheter? Non, c'est à acheter peut-être. Bah ouais, c'est la valeur, mais bien sûr, on va pas vendre ça. Ouais, mais c'est abusé quand même parce que. Bah c'est pas je cher. Pense tant qu'elle est bloquée, on peut pas l'acheter, tu vois, à mon avis. Si. Bah si, justement. Mais c'est sûr. Ah non, t'as raison. Si tu regardes les précédents, tu comprends que ça se débloque. Et ensuite, une fois que tu débloques la pile à combustible, faut que tu la payes, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Les pétasses. Bah c'est un peu sûr hein, sinon ouais. Une fois que t'as débloqué le truc tu peux tout acheter tu vois. Tu as raison. À mon avis faut la débloquer et après on peut l'acheter. Bien vu, t'as raison. Bah c'est des pétasses, non je rigole, c'est génial. Voilà. C'est génial. Ouais bien tiens, on rentre dans ce biome là à mon avis. Ah oui non mais ça clairement. Ça a bien changé avec les arbres et tout, c'est trop stylé. J'adore. Oh. C'est magnifique. Y'a des papillons. Y'a des papillons dorés. Oh là là. C'est beau. Y'a des papillons. Très très beau. Attends, okay. Je vais boire un coup. Ah, c'est, oh, c'est putain. Trop bien ça par contre. Mais merci de me le rappeler. Ça c'est trop bien. Merci de me le rappeler. Oh là là. C'est vraiment. C'est si mignon. Trop classe. Oh, un coffre aluminium. Ah, hop là. Ça, on prend. Clairement. Aluminium aussi. Ah, c'est cool. C'est magnifique. Et y avait pas une épave quelque si, part. Si, on y arrive là. Ah, elle est là, ouais. Oh là là. Ah, il y avait un coffre ici, tu l'as même pas vu. Oh, oh là là, il y a. Oh, c'est trop beau, mec. Tellement beau que tu vois pas les coffres, hein, mon salaud. Tout est mélangé, tout est. Oh là là. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Oh ouais. C'est trop beau. Bon, le vaisseau il a pas changé, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on a laissé dedans? Ah oui, d'accord, des barres d'iridium et tout. Ah ouais, d'accord. T'es sérieux? Ouais. Oh, les nuls. On devait être full, je pense. Ouais. Et il y a des trucs à déconstruire, bon c'est des circuits imprimés. Hein. Ok. Eh mais on peut monter là. Mais on peut monter là. Ouais mais y'a rien. Non y'a pas. Ah, on peut pas monter. Eh ben non. Bah attends tu fais ça alors. Hein, regarde. Hop. Non c'est où? Là. Non mais y a forcément là, quelque chose là-haut. Ah non y'a une vitre en fait, on est con. Oh là là les... Oh là 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 là. Ouais mais de en dessous elle est invisible. Mais c'est clair. C'est clair, ah oh, c'est top. Eh par contre tu vois ce que je vois là-haut, l'échelle là en haut là. Enfin l'échelle. Le y a forcément un truc là-haut. Ah bah montons. Montons, je ne sais point comment mais montons. Ah bah comme ça. Ah. Ah bonjour. Ah. Si c'est bon, regarde. Hop. Tu fais en diagonale un peu, ça passe. Ah ouais. Ah ouais t'es fort hop, toi. Là on est sur ce rocher. Et de ici. Tu passes là, comme ça. Ah ouais, c'est du parcours. Pas du tout. Non, je pense que c'est fait en sorte qu'on puisse pas monter. Non mais parce que je me souviens qu'il y avait un chemin, tu sais, ça fait un peu parcours. Il y a forcément moyen alors, de monter. Il y a pas un moyen de monter, mais avec des épaves, tu sais, avec des débris. Donc, je veux dire... Ah si, là, c'est bon, continue. Où ça? Oui, juste après. Tu passes à droite, continue à droite. Mais quelle droite? Je suis parti moi. Non mais reviens. Là c'est bon, on peut monter là. T'es parti où? Bah je suis sur ton rocher là que tu parlais. Ah voilà. Là regarde, remonte là. Ouais. Ok.
Là, hop, tu passes là, 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 et là, hop, tu peux monter. Ah, parfait. Et là, tu montes via l'arbre. Magnifique. Faut un peu faire du gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et une fois que t'es sur l'arbre. Ah bah non. Oh merde. Ah non, on peut pas. Ah, Non, ah mais peut-être il y a ici. Si, moyen. via ce rocher là. Ouais, il y a moyen. Attends, je vais trouver un truc parce que je sais qu'il y a du parcours à faire là. Voilà. Ah, pas du tout. Je suis absolument déçu. Non, en vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas moyen. Ah, je suis deg. Bon, très joli. Très, très, très joli. Est-ce qu'on n'irait pas. Eh ben, hey, t'as... Ah non, t'as pris un explosif sur toi ou pas? Bon, frérot, je suis en haut. T'as réussi? Voilà. Non, mais en fait, il y a un arbre où il y a écrit grimper et on peut monter. Non, il y a quelque chose? Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de super alliages, il y a des coffres de partout, il y a un big arbre avec un trou dedans. Ouais, à mon avis, il y a un truc, faut que tu viennes. Ah ouais, mais t'es monté par où? Je suis à peu près au début, en fait. Au début de quoi? Je suis. Bah, en fait, là, j'ai le vaisseau où on était avant, en vue. Mais au milieu de la. Voilà. Au milieu? Non, non, pas au milieu, il est. Reviens vers le début, en fait, de Ok, cette vidéo. j'arrive. J'arrive. Je vais essayer de pas me paumer parce que je vois rien du tout. Oh, encore un coffre. Ah. Je suis paumé. Ouais, c'est fait exprès pour. J'arrive. Là, je te vois. Ok, je suis pilote de toi en fait. Regarde. Ah Tu bah vois? voilà. Non, je te vois pas. Ah, Ah ici. oui. Là. Ok. Bah, viens ici. Ouais. Tu vois Ensuite. encore là? Ah ouais. Bah, là, il y a la liane juste là en fait. Elle va tout Attends, en bas? je descends. Monte là où je suis, regarde. Ah, j'ai un peu pété les jambes. Ah non, on te fait pas mal. Non mais j'arrive à monter là, ça y est. Là. Non, non, mais Ici. viens, il y a une liane juste là, regarde. Je suis là. Je sais pas où tu. Bah, j'étais vraiment juste derrière toi. Mais t'inquiète, j'arrive en fait, je comprends pas où est la liane. Mais il fait nuit, je vois rien en fait. Moi, je suis en haut. Mais. Tu vois où je suis ou pas? Bah, je t'ai vu. Oui, non, mais c'est pas du tout ici, hein. Ah! Là, c'est bon, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je suis là, regarde, voilà, parfait, là t'es bien, suis-moi, là, là. Ah, il y a encore un. Ouais. Oh putain. Ça fait flipper, hein. Là, regarde la liane, tu la vois la liane, regarde là, devant là, regarde la grosse liane. Ah! Ok. Voilà. En effet. Bon, c'est le même, hein, je pense. Ouais, c'est Oui. le même. Ah, c'est T'as vu, top. il se crache toujours? Ah non, il Non, s'est crassé juste là en bas. c'est pas au même endroit. Ouais. Bon, attends, regarde, allons voir. Oh, je suis tombé, j'ai trop le seum, putain. Mais attends, gros, j'ai trouvé une autre liane encore? Ah ouais, bah il doit en avoir plusieurs, hein, je Ah, mais pense. purée. Allez, voilà. Oh, bah, je suis au niveau des coffres, moi. Allez, d'accord, t'es là-bas. Bon, bah, je t'ai attendu pour rien. Non, mais c'est pas de soucis. Bah, en vrai, c'est des loot. Oui, non, mais bien sûr, mais j'ai vu des coffres et je sais pas, il y a un gros arbre là, il me semble un peu. Non, mais je pensais rien en fait. Ah, oh, encore une micro-puce, ça sert à rien. On a Ouais, plus c'est rien vrai à qu'on a débloquer. plein de micro-puces, c'est vrai. D'accord, ok. Mais comment on va au coffre là-bas par contre? Je Ça pense qu'il y a d'autres m'intrigue. lianes à mon avis aussi. Je pense, ouais. Parce que ouais, il y en a un petit peu partout. Ok, d'accord. Ah ouais, fallait les voir. Fallait les voir. Puis je suis passé par là tout à l'heure, je suis trop Bah con. moi j'en vois pas un des lianes. Hein. Ah ouais? Bah. Bon, au pire, c'est pas grave. Ah si, là, MDR. C'est pas Ouais. grave. Bon bah attends, j'ai le dernier coffre que j'ai vu. Vas-y, vas-y. Hop. Ouais, de l'alu, des trucs. Bon. Bon Est-ce bah qu'on ouais, c'est irait toujours un pas? petit nouveau Ah truc. non, du coup, t'as pas d'explosif sur toi, du coup. Non, j'ai rien du tout là. Ok. Parce que du coup, tu sais, les marqueurs rouges qu'on a mis tout au sud de. Au niveau des cascades d'eau. Ouais. Tu te souviens que t'avais des. Ah ouais. Vu que t'as mis les marqueurs rouges, donc en vrai, ce que je te propose, c'est qu'on On peut retourne. rentrer vite fait, ouais. Voilà, on Vers retourne à le. la base, on se vide, on prend les explosifs et on y va et on va voir. Et surtout, on regarde la fusée hein, commerciale qui est revenue. Et la fusée commerciale qui est revenue, bien Et on en sûr. relance une au pire. Ah, bah bien sûr. Ah, mais c'est super rentable, hein. Allez, go. Eh ben, direction la base, on se retrouve là-bas. Ah oui, en effet, elle a bien atterri, ouais, c'est bon. Elle est de nouveau là. Yeah. Donc, Yeah, boy. quartz. Vidons-nous. Ah oui, Bon, le bah là, quartz. on peut faire tellement de réacteurs. Oh, ça régale. Ça régale. L'alu.
Hop. Tac, on range un petit peu les coffres, les amis. Toujours, toujours. C'est très important, le recyclage. Ah bah les plans de micro-puces qui servent à rien, MDR. Ouh, mais on récupère que des graines d'arbres là. C'est vrai, c'est le quatrième qu'on récupère. Ouais. Incroyable. Je prends quand même une carte d'accès sur moi pour l'exploration après. Ah oui, en vrai oui, ça coûte rien. Ouais. Sait-on jamais. Exactement. Hop. Tout à fait. Ça, ça va là. Les bocaux, hop, les graines de l'Irma, on en a de nouveau pas mal. Alors, explosif, pourquoi circuit imprimé, poudre explosive. Hop, hop. Si jamais t'en manques de circuit imprimé, j'ai ce qu'il faut. Oh ouais, c'est bon, j'en ai remis en plus encore. Allez. Là, il me faut juste de la poudre explosive, soufre et iridium. Hop. J'adore ce jeu, Ludo. Ah, pareil. On va le répéter 1000 fois. Pareil, pareil. C'est une pépite. Pépite de chocolat. Ok, je veux... T'as la ref. J'ai. Ah non. Bon, j'ai 3 explos sur moi. Ah, super. Bon, je pense que... J'espère que ça suffira, je pense. Et je vais encore en faire une ou deux, attends, pour être sûr. Ah, tu gères. Comme il faut... Des fois, il faut 2 ou 3 explos par truc... Tu gères la fougère. Sauf qu'on a plus d'iridium, donc c'est réglé. Ouais. Ok, juste le méthane. Qui va là? Ah bah j'ai plus de place. Ah oh, les méthanes, par contre on a trop de méthane. Tu ouais, méthane. Ouais, on pourra commencer à arrêter. Pour ça, arrêter ça, le ça méthane. Sert pas à grand chose. Mais c'est vrai, le méthane ça sert à quoi? Engrais T2. Ah si quand même. Ouais. Quand même, quand même. Nourriture. Ah, la nourriture de haute qualité, j'ai trouvé. Il faut du miel et des haricots. Oh. C'est bon ça. Bon, le miel, du coup, on l'aura avec les ruches. Ruches qu'on aura avec les. Je sais pas encore. Il va se calmer, lui. Ruches qu'on aura. Ah oui, avec larves d'abeilles. Bon, pour le moment, on n'a pas encore de larves d'abeilles. Regardez ces beaux papillons. Ils produisent rien, les papillons. Alors, ils servent à rien. Hein. C'est juste un multiplicateur d'insectes. Si, ça produit. Ouais, ça produit masse. Oh ouais. Là là. C'est un bonheur. C'est un bonheur parce que si on regarde rapidement bon, l'ordi. On a plus de circuit imprimé d'ailleurs. Oh bah c'est pas grave, t'inquiète pas qu'on va rentrer. Il en reste un. Par contre j'ai 5, 6, 7, j'ai 8 bombes. Ah bah c'est impeccable. De toute façon on va retrouver là-bas à mon avis, c'est sûr. Et 9 avec toi. Oh là là, et 10 avec toi. Ouais, niveau insecte, oh, ça gonfle bien, vivement les animaux. Et puis en vrai il y a juste animaux qui est à 0. Et let's go. Allez. Attends, on va juste checker la fusée commerciale. Ouais. Je prends juste des bouteilles d'oxygène. Ouais. Voilà, au cas où. Commercial, c'est parti. Ah putain, d'accord. Ah bah tu vas voir comment ça se présente. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ouvrir. Ah cool, les micro-puces. Ah ok. Et alors, paramètre, lance automatiquement une fusée lorsque l'inventaire est plein. Comment ça? T'as vu quand même, hein, c'est quand même honteux, hein. Le truc qui coûte le plus cher, c'est une vieille fontaine, quoi. Ah ouais? Fontaine. Ouais, 20 000. Mais en même temps, c'est tellement beau. Bon, là, c'est pas la priorité. Après, il y a un projecteur d'hologramme. Oh. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est le compartiment de vie arrondi. T'as vu? Ouais, c'est il un gros. Énorme, il y a 4 portes. Ouais, ça, c'est ça. Faire le centre de la base, ça aurait été top, quoi. Clairement, ouais. Ah, puis les drones. Ouais. Oh, il y a trop de trucs. Mais. T'as vu, on peut pas acheter la pile pour l'instant. La alors, est-ce que... pile. Après, en fait, je pense pas que des trucs vont se rajouter. Hein. À mon avis. Ah si, attends. Bah si, c'est ce qui va se débloquer. Ah, j'avais pas vu, mais il y a le compartiment dôme. De vie avec dôme. 25 000. Non, oui, non, mais vaut mieux le truc arrondi. Hein. Ouais. Mais par contre, non. Là, par exemple, tu vois, là, la pile. Et ben, quand on aura débloqué, là, qu'on sera à je ne sais pas combien de TI, là. De GTI. Ouais. Et ben là, il apparaîtra ici et on pourra l'acheter. Ok. Par contre. Ah. Ouais. Ouais. Bah là ce qui m'embête c'est que à la base moi donc j'étais pas d'accord avec toi d'accord mais c'était censé permettre d'envoyer des fusées dans l'espace pour gagner des jetons Terra. Mais comment on fait pour les gagner ces jetons Terra? Parce que là on les dépense. Ah bien vu. Ah. Mais t'as vu on peut lancer une fusée sans rien. Ah ouais. Bah là coût total on est à 0 ouais. Et tu peux cliquer sur lancer une fusée commerciale. J'ai peur de le faire, fais-le. Vas-y, 1, 2, 3. Ah, ok. Et ça donne des jetons Terra, mais c'est débile. Bon bah, 600.
Bah peut-être pas en vrai, ça va peut-être rien faire en fait. Elle va ratterrir et il y aura rien quoi. Bah ouais. À mon avis, c'est ça. Mais alors comment on fait pour le gagner, c'est quoi cette histoire? Ou alors c'est juste mal écrit quoi, tu vois. Ah, la traduction. C'est possible aussi, ouais. Mais non, parce que je vais en français à la base. Alors là, je comprends pas. C'est vrai, c'est parce bizarre. Que ah oui, rappelons que Midju Games, c'est le studio, un gros bravo, c'est des Toulousains hein. Je vais débloquer la puce du coup, si je vais là-dedans, ouais. Et je vais débloquer micro-puce. Vas-y. Eh bah voilà. Caisse de stockage T2, et il faut super allage et circuit imprimé. Oh bah t'en as un. Alors il nous reste un seul. Vas-y, go. On va voir la place qu'il y a. Oh c'est on top. On va être déçu, je sais pas pourquoi mais... Non, je pense pas. Je pense pas qu'on sera déçu. Hop, et super allage hein, c'est ça. Mais t'es sérieux, mais oh là là, on en est pas efficace. Ouais, désolé. Non mais c'est ma faute. On le pose où? Tu veux le poser où? Bah pour essayer là, on s'en fout là. Ouais. Juste pour voir. Ah il est... Oh il a l'air beau. Waouh. Ah ouais. Oh putain. Oh la place. Merde. Ouvre-le. Juste ouvre-le gros. Ah ouais. C'est ça ce que t'appelles être déçu. Ouais. Ah là y'a aucun comparatif à faire. Et attends, genre si on met des trucs dedans, on les voit ou pas? Bah oui. Non on les voit pas. Tu sais, je pensais qu'on les verrait flotter, tu sais, comme c'est ah, des hologrammes. J'avoue que ça aurait été bien. Ah oh, c'est déçu, top. Bah voilà. Enfin, je rigole. Ça par contre, tu mets un seul comme ça, t'es... C'est fini quoi. Bon bah... Prochain objectif, hein, on supprime tout là et on met que ça. Ah clairement. Bah surtout là en vrai, hein, parce que... Où ça? Bah surtout les coffres là, tu sais, parce qu'en vrai, faire magnésium, on s'en fout, on y va rarement. Ouais, c'est vrai. On va ici en vrai, enfin non, ça sert à rien, je trouve. Arrête maintenant. Hein. Vrai, si, peut-être juste les casiers où on a beaucoup. Oui, ouais. Je suis d'accord. Ok. Bon, bah c'est cool. Bah franchement. Très top. On va le laisser ici pour l'instant. Parce que je peux le mettre. Voilà. Allons-y gaiement. Et on va écrire caca. Oh là là. Attends, il faut que j'aille boire un coup. On est parti. Bah on boit dans l'eau. Oui, justement. Ah oui, je t'avais pas vu tomber. Ah c'est okay. Super. Allez les amis, bah on est parti donc direction. Oh non, j'ai oublié de record depuis tout à l'heure. Oh non. Je rigole, c'était une blague. Ah oh, t'es marrant. Tu me connais tellement que t'étais pas bon. Ouais, lol, MDR. Hop. Et bien salut à toutes et à tous. Ah attends, dans ce vaisseau, on avait tout vu? Ah oui. T'es sûr? Je sais pas, on va y retourner. Bah si, mais il faut la pile. Ah bah la pile on déjà tout, ouais. Mais il faut la pile pour que tout ouvre. Après si on peut déconstruire des trucs peut-être. Pour se refaire des circuits imprimés. Ah bah c'est ça, mais c'est ça qu'on veut en plus. Ah. Bien vu. C'est vrai, il y a un étage. Vas-y. Ah. Vas-y, je monte à l'étage. Moi aussi je te monte. Ah bah c'est ici tu vois. Ah la pile ouais. Donc la pile on met dedans. Graine de l'Irma. Graine de l'Irma. Et en fait et si, si je fais ça. Et là on fait péter. Tu sais. Ah mais là regarde, il y a une porte ici. Oh, mais il y a tellement encore à explorer, je suis sûr. Ah mais mec enfin, c'est même sûr oui, mais je veux dire j'ai aucun doute. Bon bah ça tout sort, ça sert à rien d'y aller pour l'instant. Ouais, j'ai trop hâte. Ah, c'est non, c'est une tempête violette, rien de spécial. Ouais, j'ai trop hâte d'avoir la pile aussi. Oh. Ah pareil. C'est incroyable. Et là, comme dit, téléporteur bientôt. Parce que là, vous voyez, les allers-retours qu'on fait là, à l'autre bout du monde, c'est fini ça bientôt. Après, ça dépend ce que ça coûtera, tu vois. Me parle pas de malheur. Oh, regarde les beaux arbres dehors. Attends, je les vois pas encore. Oh, c'est joli comme bio. Oh là là, mais ça a changé, frère. Ça n'a rien ça à voir. Tout a changé. Oh, ils sont mastoc les arbres. En plus ils ont des petites verrues, regarde quand tu regardes bien. Alors c'est pas forcément ce qui m'attire le plus du coup. C'est les pressés, là. Ah oui. Oh non. Les cascades, oh là 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 là. Eh y'a une grotte ici, on l'a vu. Bah je pense oui. Oh y'a une grotte, y'a une cascade dans la grotte. Ah, y'a bah, quoi de coup... la glace ici hein. Ah mais oui on l'avait vu celle-là. Mais forcément ouais, là c'est différent quoi. Oh là c'est superbe. Oh c'est superbe. C'était celui-là, hein. Ici là, à gauche. À la cascade. Bah tu veux commencer par lequel? Bah ici là, à gauche, celui de gauche. Ok, j'arrive. Ouais, c'était celui-là. Bah y'a l'autre à côté encore. Ouais, bon, on fait celui-là et après on va à l'autre. Ouais, je vois les cailloux d'ici. Allez, superbe. Et juste derrière, y'aura de la glace qui fond à 1 milliard de... Allez, salut.
Alors on va aller au plus, hop. Au plus loin, ouais. Est-ce que tu vas y arriver? Attends, je l'ai mal posé, c'est fait exprès. Tac. Je crois en toi. Pour une fois, tu vas y arriver, Ludo. Non mais... Pour une fois, c'est... Ludo. Il faut viser quoi, putain? Bah le bouton rouge. Mec, il faut faire clic gauche, on est d'accord? Ouais, ouais. Là, j'ai mon curseur pile sur le bouton rouge. Eh ben, essaye de cliquer sur le coin. Ah. Eh, hey, laisse-moi faire, regarde, du premier coup, je te le fais. Vas-y, pose. Voilà. Et là, j'appuie dessus. Ah, dommage. Ah. C'est une plaisanterie. C'est mal foutu, ça, par contre. Ah. Oh, non. Enlève-toi. Ah. Je peux pas. Non. C'est bon. Oh. Ok. Oh. Ok, ça passe. Oh, heureusement que t'as pris plusieurs explosifs. Je suis dégoûté. Ça passe pas. Ici, allez. Ok. Écoute, t'as vu, j'ai réussi à l'allumer. Bien, bah, oui, franchement, bravo. Mec, regarde en bas à gauche l'oxygène. Oh, on est à moins 1. Mais du coup, on va pas arriver à 0 à l'infini. Non, non, maintenant il y aura 0,9, 0,8, 0,7. Ah, bah oui. Quel débile. On était que à 15% de. D'avoir l'atmosphère. Ouais, non, mais vas-y, c'est mal foutu. C'est. Eh, attends. On est trop con. Dis-moi. Bah, tu fais clic droit dans l'inventaire, ça la drop, et tu fais clic gauche, ça l'allume. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut faire depuis le début. Bah, moi je. Quoi? Bah, tu fais clic droit dans l'inventaire et tu fais clic gauche. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Oh! J'en ai une! Ah! Ouais, il en faut 5. Il en reste une à la base, donc il en manque 3. Ouais. Et à mon avis, on les trouve quand on ouvrira avec les piles les portes. Ah, ouais, je pense. Bah, du coup, viens, on va aux autres grottes, hein. Faut faire péter. Mec, c'est sûr, ici, c'est. Par contre, ici, c'est sûr, c'est la fin du jeu, quoi. C'est le lore. Mais c'est même plus le lore, c'est la fin du jeu. Ouais. Sons of the Forest, on va retrouver Timmy derrière. Ah, putain. Le crossover de jeu. Ah, c'est incroyable. Donc là on va à celui-là devant nous là. Ouais. Et là où on ressent que la planète est en train de devenir habitable avec de l'atmosphère, c'est que là je sens que je pue des pieds, quoi. Pff. Ah non, mais on était allé ici. Ah non, il fallait aussi encore un. Vas-y. Par contre, j'ai pris que 2 bouteilles sur moi, hein, d'oxygène. J'en ai encore à te proposer, t'inquiète. Donc là je fais clic droit, hop, ça la drop, et je fais clic gauche. Mais voilà. Oui, mais c'est ce que je fais depuis le début, moi. Ah bon? Bah je faisais genre drop dans l'inventaire, tu sais. Ah mais non, mais... Ah mais oui. Oui, non mais oui. Tu fais clic droit, ça la drop par terre, et après t'as que le déclenchement en fait, tu peux plus le ramasser une fois que tu fais ça. Ouais. On est débiles. Bien vu. Oh là là. Pourquoi il fait jour? C'est très bien. C'est trop... J'avoue. On va pas râler. Oh, ok, ok. Oh, ça c'est bien, et ça aussi c'est bien. Tout est bien, qui finit bien. Ok. Merci. Mais pas de soucis. J'ai galéré à l'enlever. Oh la bordosium. Oh cartouche d'azote. Allez. Mec, y'a que des bons trucs dans ce coffre là. Ah bah là c'est la fin du jeu aussi. Hein. Non, ça part en ça, non par contre. Ok. Alors oublie pas, hein, qu'il y a des murs qui se démontent. Bouge pas. Que je te démonte. Non, des murs, il est con. Oh, il fait nuit. Ah bah il fait nuit. Oh, c'est rien, ok, descends. Okay. Oh, ça sent le truc gigantesque encore. Oh là là. Pas des graines là? Non, y'a rien. Oh là là. Bah, ça sent surtout. Faudrait une pile pour aller à la suite, quoi. Oh là là, viens, on suit que la gauche, on suit que la gauche pour le moment. Allez. Ok. Non, mais là c'est gigantesque. T'as vu, t'es un gauchiste, t'as vu, on le sait. Voilà. Comme par hasard, comme pourquoi la gauche hasard. C'est eh vrai. Ben, voilà. On va du coup au début et on va à droite cette fois. Carte d'accès, la troisième. Ah. Mais t'as pas suivi en fait. Je suis au début. Bah, je suis revenu au début pour prendre à droite. Mais il y avait encore un autre chemin. Ah. Mais c'est bon, j'ai fini. Yes. Continue toujours la gauche. Générateur de soi. Moi. C'est excellent ça. Ok. Ah. Oh. Putain, mais c'est gigantesque. Non mais là on est mort. Oh là là, c'est génial. Ouais, non, ça, il faut une porte là. Ah, d'accord. Donc il faut trouver le réacteur en fait. Hein. C'est... Ouais. Bon, comme dit, j'ai une carte d'accès, donc ça en fait 3, il en restera 2 à trouver. Yep. Ah, et ici.
Ok. Toujours à gauche, toujours à gauche. Nous perdons attends, pas. Attends. Nous perdons pas, Ludo. Ouais, ouais. Vas-y. Oh putain. Ok. Ok. Et là, ça remonte sur une porte, à mon avis. Et il y a grave moyen. Et c'est pire que ça. Ah non, ça revient. Oh, sur c'est une pire salle que de... ça. Alors. Oh non, mais mec, ça. Non, mais ça se finit jamais. Oh, c'est gigantesque. Oh. Ah, si, oh, c'est merde. Bon. Merde. C'est bon, 5 si, tac. C'est une boucle, ok. Y'a rien, genre. Y'a rien. Je suis mort. Bizarre, hein. Bizarre. Ok. Très belle salle. Oh, j'ai pas pris de flotte. Hein. Ah oui, bah oui, du coup, moi non plus, c'est vrai. Je suis au quart. Ouais, bon. Bon, bah y'a rien. De toute façon, on va faire demi-tour. Ok, ouais. Y'a rien du tout. Là, explosif. Oh! Pas besoin. Oh, les enfoirés. Ah bah, moi j'ai. Ah, mais ça vaut le coup. Oh oui. T'as vu? C'est trop bien. T'as raison. On est trop con. On est trop con. Ouais. Allez. Allez, la fin du jeu, générique. Et il m'en reste 3. Parfait. Ok, c'est une blague. Non, mais on a quelqu'un d'explosif pour rien. Ok. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui vont nous mener à des endroits de ouf. Oh, ça descend encore, mais non, mais non. Mais non. Mais attends, moi je vais crever de flotte bientôt. Hein. C'est... Mais en plus, on est perdu là. Mais non. Tous les chemins mènent à la sortie. Alors là, je suis vraiment pas convaincu. Oh, rush. Il ah, est là, le, la pile. Là. Ok, okay, allez. Je prends tout ça là-dedans. Bon bah on... Ouais. Faut qu'on sorte. Hop, j'ai eu un message. On remonte, on remonte, on remonte. Sors. Donc là, faut suivre les chemins à droite. Logique. Yep. Sors. Et puis là, c'est là. Ici, c'est ici. Là. Ah bah, c'est pas du tout, c'est une autre pièce. Si. Merde. C'est si, pas on ici. Était, on c'est était. Mais non, on était ici, nous. Ah. Regarde. Il y en a deux des pièces. On était gênant. Là. Non. Donc c'est ici, ouais. Pas du tout. Oh, non. Mais... Non. Non, là. C'est les backrooms. Là. Non! Non! Mais gros, attends, on vient d'où? Là, oui. Ici, oui. Ici, oui. Ici. Mais non! Je te crois pas. On est des rats de laboratoire. Mec. On est Keblo. Non. On a raté une pièce là. Là! Ah! Mais non! Mec! Non, on n'est pas bon du tout là. Bah là, là c'est où on était avant? On peut pas redescendre. Là on était un instant. Non gros. Faut redescendre. C'est où? Là. C'est où? Ok. Faut redescendre. Mais non. Si si on sait. Si si. Et là regarde. C'est de là où on vient. Bah justement, c'est là où on veut aller. Là. Voilà. Et là maintenant, droite. Ah les salopes. Là. Non, tu vas où? T'es sûr? Non. Mais non, on était jamais ici. Ok, je claque ma bouteille. Bon, par contre, là, j'ai plus de flotte. Hein. Donc là, il faut qu'on... Là, on vient de monter, là. Là, c'est bon, j'ai, viens. J'ai pas goûté. Si. Là. Reviens dans la... Non. Ludo, là, oui, voilà. Là. Ah bah, tu viens de là. Vas-y. Ouais. Bah, c'est clairement pas là. Je vais mourir aussi. Hydratation critique. Non. Non. Non, t'inquiète. Non. Là, on vient de là. Là. Mais on y est déjà allé. Voilà. Ici. 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 Là. Puis là à gauche. Puis là tout droit. Pas du tout. Non. Là. Ici. Pas du tout. Non. Mais non. Ici. Non plus. Non, mais là. Bah alors ici quoi. Mais on descend. Si, viens. En bas? Je pense. Mais non, on n'y est jamais allé non plus. Mais non. Non. C'est pas grave, on drop tout ton stuff au pire et on reviendra, mais... Bah on reviendra. Lol. On peut pas faire une balise? Ah non, on peut pas. Oh putain. Mais c'est une blague. On peut pas poser de coffre? Non, c'est une blague. Mais non, là c'est de là où on vient.
On peut pas passer le Ok, coffre? je drop tout, je drop tout, je drop tout, je drop tout, mec. Je vais crever. J'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai. Bah du coup je reste là et faut que tu me retrouves hein. Ah, vite, c'est bon. Adieu. Mais du coup, Putain. t'as vu où je vais respawn? Bah non, tu vas respawn où? Ah bah à l'habitacle et qui est quasiment à la base. Mais non, on avait fait un habitacle plus proche. Ouais, mais je suis pas rentré dedans. Oh merde. Du coup là je suis à la base en fait. Donc attends, je prends des bouteilles, des trucs et puis je reviens quoi. Toi tu vas mourir ou pas? Ou t'es encore bien? Ah oui, je vais, le temps que tu viennes, je mourrai. Une ligne et demie de bouteilles là. On va pouvoir se balader partout et tout retrouver. Je reviens. Ah, la question que je me pose, c'est si on perd vraiment la carte d'accès là que j'ai par exemple. Si vraiment on la perd. Ah ouais, j'avoue. Est-ce qu'elle respawn ou comment on peut faire? Bon, je Mais drop tu veux la tout. perdre comment? Bah, si on la récupère pas. Ouais, mais à mon avis, si on la récupère, faudra la récupérer. Mais tu vois, genre, je pense ces items là, il y a aucun moyen que ça despawn, tu sais. J'espère bien. Du coup, le seul but c'est de la retrouver quoi. Mais à mon avis, c'est pas introuvable, hein, je veux dire. Ce serait cool. Ah On se oui, on promène, on respawn. se. Oh là là. Ah! Je suis pas trop loin. Ah, moi j'étais au gros vaisseau, la vitre est pétée quoi. Ah bah j'y suis! Ah, bah je suis déjà, moi je suis là, je retourne au marqueur rouge quoi. Ouais, pareil. Ah mais t'as respawn au gros vaisseau. Ouais, mais je Ah suis bah allé à la là! base et puis là je reviens, tu vois. D'accord! Là j'ai Ok. fait le plein de bouteilles, comme ça on est tranquille. Bon, au pire, tu peux m'attendre si tu veux parce que j'arrive, là je suis là derrière. Vas-y, vas-y. Je t'attends au niveau. Normalement tu vas pile vers le point rouge. Mec, j'ai trouvé un coffre qu'on a même pas ouvert avec. Oh, pff, laisse tomber. Oh, on le reprendra au retour. Non, mais n'importe quoi. Je crois, il y a je sais pas combien de barres. Il y a deux moteurs de fusée. Enfin, incroyable. Allez, j'arrive. Je suis là. Oh, mais t'es là. Tu m'as fait trop peur, on aurait cru le Slenderman. En haut de mon rocher. Viens, regarde, il y a un. Rentre juste là-dedans, vite fait, d'un petit Eh coup. oui, pour respawn dedans, ouais. Non pas qu'on a l'intention de remourir, Au mais. cas où. Voilà, bon, on sait jamais. Moi, je veux bien manger et c'est tout. Yep. Tiens, regarde dans le casier, là, je te mets des Il trucs. vient dans le casier. Ah oui. Voilà, je t'ai mis un peu de tout. Merci. Parfait. Alors, c'est quoi rentre de nouveau là? Attends, j'arrive. Horrible ce qui s'est passé. Horrible. Non mais mec, mais. Je ne veux plus revivre ça, c'est claustrophobique. Et là on fait pareil, on suit que les chemins à gauche. Hein. Ouais, allez, hop. Alors, comprenons Ok, ce qui s'est passé là. Cours gauche. pas trop vite, cours pas trop vite. Là on descend les fameux escaliers. On est allé ici. Ouais. Et là, on est allé Ah, toujours à tout droit, gauche. je crois. Non, à gauche? Ouais, après t'as raison, c'était un cul-de-sac. Donc après on est. T'as raison, tu peux revenir. Voilà, on est allé là, on est allé là. Ah bon? Pas du tout. On Non est mais allé. c'est bon, Attends. t'avais Non, raison. on est allé là-bas, oui, c'est ça. T'as raison. Là, et là on monte. Non mais c'est une blague. Ok, alors va pas trop vite. Non, Cul-de-sac. voilà, c'est ça. Voilà, Ok. donc c'est bon. Donc au final. Il reste un seul che deux chemins. À gauche, Il reste direct. celui à droite là-bas et puis il y a ici. Voilà. Mais là, il n'y a rien aussi, je crois. Ah si. De toute façon, c'est pas là qu'on s'est paumé. Ah! Non mais c'est une blague. Quoi? On était si proches. Non. Mais comment? Mais attends, On deux, est attends. con, on est con, on est con. Ramasse-toi avant que ça dispawn, par Mais contre. comment? Non là, je comprends pas là. Comment on a. Donc en fait c'était juste là. Et de là il fallait. Attends, gros, viens, regarde. Il fallait juste qu'on fasse ça. Oui. Et de ici, qu'on fasse ça, ça. Et hop, c'était ici. Bon bah Non, revenons, c'était là, revenons. voilà, ici. Là, là, ici, ici, et voilà, c'était ici. Et là, il y a la sortie. Mais MDR. Et du coup, il reste ce chemin là. Non, non, il y en a d'autres, je viens de continuer, je sais pas comment. Au secours. Attends, continuez où? Attends, quoi? Là, Là, ok. ici. Voilà. Ça, c'est le chemin à droite, on n'est pas allé, ça. Ah voilà, ok, donc c'est bon. Mais du coup, je suis full, hein, donc. T'inquiète. T'inquiète, on Ah, a une carte voilà. d'accès à la quatrième. Yes! Hop, mec, il en faut encore une. Juste Bah, à mon une. avis, c'est ici, hein. C'est là-dedans. Du coup. Ce côté-là, on condamne. Donc, en fait, il reste juste là, hein. Il reste là et il reste Oh ici, yes. regarde. Tu gères.
Bah forcément elle va être derrière. Oh, si on a toutes les cartes d'accès mec c'est bon. Cet épisode va être long mais bon. Quoi? Et là c'était où on était juste avant. Non non. Non non. Oh 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 oh. Bouh. Elle est là. Oh yes, vas-y prends. Oh yes. Et maintenant il restera tout à redécouvrir quand on aura la pile pour tout ouvrir quoi. C'est clair, bah là mec, on est tout bon. Du coup alors, faut qu'on retourne à la base, chercher la dernière. Ouais, et surtout qu'on trouve la sortie ici, ouais. T'inquiète, là maintenant je connais là. Ok. Ok. Tu connais? Là. Voilà. Ah mais si, non, si, 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 me... si, si. Ah ok, ouais, bien vu. Tu vois, c'est on regarde mal en fait. Mais non, là on est revenu, on était avant gros. Non, c'est... reviens, reviens, reviens. Reviens, non, non, non. Sérieux non. Attends. Bien ce qui me semblait. On est venu de là. Mais non. Non. Mais non. Mais non. Là, voilà. Mais non. C'était là, c'est là qu'on a récupéré la dernière. Ah non, c'est là qu'on est mort. C'est là qu'on est mort. Mais non. Bah si c'est là qu'on est mort, ça veut dire qu'il faut descendre. Non. Non, non. Parce qu'il y avait un escalier quand on est mort. Oui, directement, ouais. Oh putain. Mais bon, là, c'est... j'ai des bouteilles, tranquille. C'est okay. Pas vrai. Ah, c'est bon, là, 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 trouvé. Reviens. Ok. Là, regarde. Oh putain, c'était juste là. On est mort ici, parce que là, il y a un escalier qui descend. Oh, bien vu. Là, sérieux. Là on a dit, là on passe là, là on passe là et là tout droit. Eh mais franchement. Et ici, ici, et là, là, et là, ici, et là on remonte. GG. Voilà, c'est bon. GG mec. Et hop. Oh, oh là là. Oh c'est incroyable. Quoi, météorite ça. Ça je crois que c'était une cla... Oh putain. Mec, météorite bleue, météorite bleue. Ouais. Météorite bleue. Ouais. Mars, bleu. Non. C'est une météorite. Osmium, 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 osmium. Osmium. On s'en fout, on a les extracteurs. On a les extracteurs, hein. Ouais. C'est vrai. Allez, quoi à la base. Alors, d'abord, un petit tour à l'oxygène, là. À l'habitacle, ouais, bien vu. Et on va passer juste à côté d'un coffre que je trouve vraiment cool. Allez. Même si je suis full, on va s'en sortir. Alors. Pareil, hein, je suis. Non, mais on va s'en sortir avec toutes les bouteilles qu'on a, de toute façon, je pense que. Oui. Oh oui. Déjà je vais manger un haricot, hop ça me fait déjà un slot. Ah putain mais on est là. Ah oh, mais j'avais... Et tu sais quoi? Oh. J'avais pas stylé, capté là, ouais. Ah. Ah mais putain mais c'est impressionnant mais la map est... Et tu sais que maintenant qu'il y a de ça l'eau... Ça change de fou. Maintenant qu'il y a de l'eau et de la végéture... De la végé... De... Bref, la oui, map... Oui on a compris. La map est encore plus petite. Ah. Elle fait encore plus petite la map. Par contre où est le coffre? Okay, Non, c'était plus là, c'est bon, je l'ai. Juste ici, mon ah, gars. Oui, regarde-moi ça. Oh putain. Oh voilà. Ouais. Bon, attends, les bouteilles d'eau, on peut les drop. Voilà. Oh, moi, je les bois direct. Hein. Les haricots, pareil, parce que voilà. Et on prend juste les barres, c'est important, les barres. Oh, des barres. Et le fer et le spium. Ok, allez, hop. Parfait. Ah oui, non, là, franchement. Mais ouais, la map, elle paraît encore ça, plus petite. Ça, c'était un beau coffre. C'est un très beau coffre et qu'on est passé à côté plusieurs fois, ça régale. Allez, du coup les amis, on rentre à la base, on se vide, on récupère la dernière carte d'accès qu'il y a à la base et on repart là-bas de nouveau, à tout de suite. À tout de suite. Donc là t'as deux cartes d'accès sur toi. T'en as une, une à l'intérieur là-bas et t'en as deux sur toi, c'est ça? C'est bon, c'est ça. Allez. Cool. J'ai trois bouteilles d'oxygène, peut-être en prendre un peu plus parce que oui. Je sais pas quelle va être la taille. C'est ça, la taille du monstre. J'ai pas envie qu'on se retrouve baisé encore. Exactement. Et de la flotte aussi. Ouais, j'ai plein de bouteilles d'eau en vrai. Bon, j'en prends quand même 3, hop, voilà. Ok. Parce que moi, ça descend assez vite. Bah, et moi, j'ai deux barres de bouteilles d'eau, hein, si jamais. Hein. J'ai peut-être un peu exagéré. Voilà. Ok. Et explosif, t'as J'en ai 3. Ah, allez, super. Et eh bah, allons-y gaiement. J'en ai 3. Allons-y gaiement. Let's go. T'es déjà parti? Ouais, mais je t'attends, t'inquiète. Allez, je vais juste boire un coup en bas.
Comme d'hab. Comme d'hab, je sais pas vous, mais moi. Comme d'hab, encore ah, là, sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Énorme. Derrière la cascade. Cascade. T'es où? À ta gauche. Ah oui, toujours à ma gauche, décidément. Change pas une équipe qui gagne. Mais ça te fume quand je t'envoie des TikTok Enfin bref. Non, non, t'inquiète. Hein. Allez. Alors, ce magnifique lieu. Ah non, j'ai pas les cartes, j'ai oublié. Oui, 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 il va te coucher. Oh, waouh. Wow. Oh wow, non, frère. C'est magnifique. Oh, il y a des larves. Est-ce que c'est les mêmes qu'on a? Ouais, c'est les mêmes. C'est commune, ouais. Okay. Oh. Pas un truc caché là? Ah bah, on a pas besoin de bouteille d'eau, hein. Là, il y a de la flotte. Hein. Ok. Alors. Ok, ouais, c'est les restes des survivants. Chauffage T2. Non, ouais, c'est incroyable. Autant tout déconstruire. Clairement. Et là, il y a quoi? Ah. Ok, il y a rien. Alors, tu constateras par. Alors, c'est un peu. Un peu paradoxal, mais tu remarqueras que eux, là, les Planet Crafters qui étaient là avant nous, ils étaient. Même plus avancé que nous parce qu'ils ont des trucs qu'on sait même pas ce que c'est. Putain, j'avoue, ouais. Sauf que, bah pourtant, ils ont des bases plus pourries que les nôtres. Bon. Waouh. Alors, voyons voir l'arbre sacré. Ah ouais. Alors, moi, je fais un peu ma fou. Oh là là, oh là là. Quoi, quoi? Oh là quoi, là. Quoi? What the fuck? Bon, ouais, c'est juste okay, un biolab. J'aime ce que je vois. Ouais, mais attends, ça continue partout là-bas. Ok, commençons ici. Doucement, oh. vole pas. Profite. C'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Non, mais là, je sais plus quoi dire. Alors, j'ai un casier, ouvrons-le. Ouais, bon, du stuff, voilà, classique. Micropuce, je prends, mais en vrai. Franchement, on en a déjà tellement que. Oh, y a un mail de E-Class. Après tant de temps sur cette planète solitaire, je pense avoir trouvé l'endroit idéal pour m'installer mon dernier camp. Cet endroit est tellement bizarre, c'est hostile, froid et dur, mais j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour survivre, comme si cette planète testait ma volonté de vivre. Ah oui, parce que, eh, c'est vrai, là il faut s'imaginer, Ludo, que là il n'y avait pas de verdure, ni d'arbres, ni rien. C'est hostile, froid et dur. Ah oui, d'accord, ouais. Bah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai que... Casier. Ouais, mais mec, mais... Oh, les fusées qui vont décoller, là. Ouais. On s'en fout. On a 4 moteurs, là, ça y est. Mais du coup, ouais, comme dit, c'est vrai, hein. Il s'est installé, là, c'était tout orangé, c'était que de la roche, hein. Ouais. Donc c'était pas donc, aussi... Il a quand même, ils ont des belles bases, hein. Oh. Bah, en vrai, pourquoi ça fait beau. On a pas beau. Ça, nous. Une rampe. Des rampes comme ça. Ah, ça pourrait être stylé. Je pense qu'on aura ça bientôt, hein. Oh, panneau solaire là? Putain, bon, je sais pas par où il capte le soleil. Mais... il a pas beaucoup d'heures de soleil hein, dans la. Ah, c'est incroyable. Comme dit, il aura pas eu la chance d'avoir pu voir son endroit de la sorte. C'est triste. Casier. Oh, encore des moteurs. Et encore des moteurs, mais. Oh, moi j'ai plus de place. Hein. Mais attends. Eh, y'a pas un truc qui te fait un bizarre là? Quoi? Bah, c'est que là, je viens de récupérer du mutagène. Mais à quel moment il a pu avoir ça alors que sa planète était même pas encore développée Ouais, cherche pas trop. Je pense que le loot il est aléatoire un peu dans les. Ouais, mais voilà. Je pense que le loot se met par rapport. Oui, c'est pas très 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 roleplay. C'est important le lore. Je veux que ce soit cohérent. Ok. Oh. Combinaison spatiale. Oh, Fablo. Oh, waouh. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais c'est magnifique. J'arrive. Oh mec, j'ai une nouvelle combi KTM. Oh putain, mais elle est trop belle. Merci. Ah, c'est là-haut que t'as vu. Là. Ah, c'est ça. Oh, des toilettes. Il y a des toilettes, on en a jamais vu. C'est superbe, mais en plus j'ai envie de pisser. Allez, je ferme le rideau. Hop, voilà, pourquoi il y a deux boutons? Ah, le bouton vert c'est le pipi, le bouton jaune c'est le caca. Non mais c'est vrai, mais c'est important, c'est important. Ah oui, bah... aussi bien, on s'en fout. Par contre, barre d'uranium, ça je prends. Ouais. Et là, il y avait quoi au bout, t'avais dit? Je reviens. Bah, c'était les combis. Ah, les combis, ok. Ouais. Bon bah...
Oh, y'a un étage. Ouais, Attends, ouais. y'a un étage, gros. Ouais, bah viens. Mais comment on monte? Mais t'es vraiment une pétasse. Mais viens. Putain, j'avais pas vu. Ah, les moteurs de fusée. Oh putain, mais c'est. Va falloir faire un petit aller-retour, à mon avis. Je sais pas. Oh, le canapé, ils ont l'ami des knous. Ah, oh, les toujours, moteurs. Non, mais stop. Stop à la fin, hein. Bah écoute, là on va envoyer 50 milliards de fusées, hein, écoute. Ah ouais. Oh la Oh, cuisine, oh mec! dommage! Ça par Oh. contre c'est stylé, ouais. Mais ça, je veux qu'on puisse faire, hein. Ça c'est dommage, il y a du quartz, mais c'est pas le bon. Ouais, c'est classique. Enfin, c'est classique. Pour nous maintenant, oui. Avant, ça ne l'était pas, disons-le. Ah, c'est incroyable. Et Échantillon de bactéries, hein, ça c'est bon. on peut encore T'es pas monter encore là. monté. Un nouveau mail. Après tout ce temps, est-ce que quelqu'un sera encore là pour moi? Est-ce que quelqu'un se souviendra de moi si j'arrive à rentrer à la maison? Ne serait-il pas mieux que je reste ici après tout? Cette épreuve m'a tellement changé, peut-être trop. Ah, oh, il classe, il me fait de la peine. Oh bébou, Mais il est ah mort! tu es full. Ah non, le fer qui nous ah non, Waouh! Il y a encore encore un des. coffre, encore un moteur. Bah écoute, toujours plus, hein. Ça va, en vrai, on arrive à récupérer un max de trucs, hein. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors. Je crois que monsieur a essayé de communiquer alors qu'il n'a pas le droit. Ouais. Je crois que monsieur est mort Ok. pour ça. Bah, y a encore un nouveau dédôme là. Avec toujours Hey! plus de Mais attends, t'as toujours plus de raison. casiers, toujours plus de messages. Ouais, quoi. Échantillon de bactéries, valeur commerciale, 6 jetons Tera, ça veut dire on peut les À vendre. mon avis, il faut les. Bah tu sais, avant la fusée que j'ai envoyée, Ouais. je pense qu'il faut la remplir de choses. On la renvoie et elle Oh! revient avec des jetons Tera. Mec! Tududududududu. Bah voilà! Mais T'es un bon, 6 génie. jetons, putain, frère, une barre d'uranium, c'est 8 jetons. Oh! Ouais, mais ça, plus ça, plus ça, quoi. Ah ouais! Un moteur, c'est 13. Oh, mec, Non, il va non. falloir en envoyer des choses. Ouais, on va pas gaspiller de moteur, mais ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah, le circuit, c'est 25. Ah bah ça, c'est parfait parce qu'on en récupère pas mal. Hein. Et là, il y en a encore à récupérer là-dedans. Allô? Ah! Ah, voilà. Ouais, un peu bugué. Oh, chauffage T3, Ouais, mec. faisons un peu de Ah, ménage. mais on s'en fout, on a un TK, tu con. Ah, il y a encore deux moteurs là-dedans. Non, mais. Ah, je vais me débrouiller. Bah, Hop. j'enlève les haricots, hein, et tac, tac. Ouais. Mais l'enlève pas, faut que tu le manges, garde-le, ça c'est important ça. J'en ai encore sur moi, t'inquiète. Ah, bon, regarde là derrière. Regarde, tu peux prendre ça par contre. Ça, on s'en fout aussi. Larve de Oh, larve papillon de papillon. chevronne. Excellent, excellent. Excellent, on sait pas ce que ça veut dire, mais c'est bon ça. C'est une larve, hein, écoute. Ok. Ah, là aussi. À construire. Qu'est-ce que Hop. je pourrais jeter? Oh là Je là. suis tellement full. Ah ouais. On est pas mal du tout, mais alors du tout. J'ai enfin rassemblé suffisamment de matériaux pour construire une plateforme de départ. Si mes calculs sont corrects, il devrait me falloir environ un an pour terminer ce projet et pouvoir enfin m'échapper. Oh, j'espère qu'il a réussi. Alors, elle est où? Eh oui, c'est ça la question. Me dis pas que c'est ça là-haut. Là-haut. Là au-dessus, là, regarde. Non. Là-haut. Ça là. Ah, ce serait ça ta plateforme de lancement? Ou alors il y a une big liane qui monte au sommet là-bas et il y a une big plateforme de lancement de Mais non, fou. mais y a plein de choses à explorer, à mon avis, c'est pas ça. Ah oui! Ah! Bah voilà! La plateforme de Regarde! lancement. Ah! Ah! Oui, bon. Il a Ah! essayé, il a essayé. Non, mais t'es pas empathique, toi, hein? Mais tout s'est cassé. Non, mais il a peut-être réussi après tout. Là, ça ne veut rien dire. Ouais, en décollant, tu sais, ça a tout pété. Non, mais même. Possible. Oh là 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 là, mec. Regarde ce qu'il y a dans Aïe le coffre. aïe 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 aïe. Toujours plus, toujours Allez, plus. barre d'osmium, par contre, ça, il faut. Hein. On peut pas partir sans. Ouais. Alors, hop. Attends, iridium, voilà. Et puis, micropuce, ça sert à rien. Et barre de super alliage, j'ai un slot, je vais la prendre. Ok, par contre, la graine du ruburu, on la prend ou pas? Ouais, mais 1200, c'est. C'est quoi, c'est pas Allez, bien? une bouteille, voilà. Bah, si, c'est bien, justement. Ah, voilà. C'est pour ça que je vais la prendre. Je sais que je n'ai pas découvert tous vos mystères, cher gros rocher rouge, mais il est temps pour moi d'y aller maintenant. C'est mon dernier jour ici. Bon débarras, bonne chance. I-Class 3044. Ciao, mon pote.
J'espère qu'il a réussi, franchement. 3044 alors qu'avant c'était 3058. Hein? Mais on est en 3058. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Donc il a quand même réussi à partir. Bah j'espère, on sait pas en vrai. Et ça c'était, je pense, les trucs qui tenaient la fusée. Ah, y'a moyen. Ah, tu sais, c'est... Il y a les 4 pires, regarde. Ouais, ouais, mais normalement Elon Musk, décollé, en 2024, quoi, il arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets. Ah, c'est top. Bon bah, et franchement... Franchement, Gucci, hein, très stylé. Hein. Magnifique, j'adore ce jeu. Petit papillon, là, c'est... Ah, c'est superbe. On pourrait presque s'installer... Et en vrai, on pourrait presque s'installer là, quoi. L'arbre sacré, quoi. Ah, ouais. Ah bah, c'est chouette. En fait, on a tout vu. Et ouais, on a réussi à tout voir, ça fait plaisir. Bon, faudra qu'on revienne, hein, on va pas se mentir. Éventuellement. On va faire un petit aller-retour parce qu'il y a plein de choses qu'on a laissées. Et avec un peu de chance, il y a des trucs qui vont réapparaître. Avec un peu de chance, ouais, des petits coffres, j'avoue. Ah, c'est fou. Non, c'est, franchement, c'est. Dites-nous, les gars, en commentaire ce que vous en pensez parce que là, je suis vraiment curieux. Choc bar. Et il y a encore de la glace, t'as raison. Et ouais, c'est ouf. Après, c'est parce que c'est dans les grottes, mais... Ah ouais, mais c'est top, ça. Il fait quand même bien chaud, quoi. Ah ouais, surtout avec toi. Oh, il y a un coffre ici. Bon, on l'a pris. Mais on l'a pris, celui-là, il a repop. Bon. Ok. Ah bah, c'est super sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va retourner à la base, on va se vider, et puis à tout de suite, hein. Ouais. Web. Et d'ailleurs 18 GTI, c'est à 25 qu'on a le téléporteur, hein. Ouais. C'est bon ça. C'est trop bien. Ouais, mec. Ferme. Oh, la dinguerie. La dinguerie. Bon, les barres d'osmium, je les fous tout derrière là. Ouais, ça marche. Si jamais. Ça marche. Bon, j'en ai mis une devant, mais. Oui, bon après. On s'en fout, c'est tant que c'est dans les osmium. Et dans le gros casier là, je vais foutre juste les batteries, hop, parce que voilà. Je peux où les foutre. Ah, les explosifs. Oh, bah, je les ai mis derrière dans le bio là, bon. Ouais, bon. Okay. Ça c'est pas le souci. Alors attends, parce que ce qu'on vient de débloquer là. Ah, il faut des larves d'abeilles. Oh non, on n'a pas encore. Ah bah voilà. Trop le seum. Hey, mais attends, ce moire d'arbre, on peut faire ce moire d'arbre. Ah oui. Let's go. On pouvait déjà depuis longtemps. Hein. Bah oui. Allez, go. On l'a juste pas fait, quoi. On fait ça direct et on va voir après là le fusée commercial justement. Yep. Alors, semoir d'arbre. Ah, générateur de soie. Ah, mais c'est ça qui permet de faire du tissu. Ah oui, bien vu. Ouais, il faut d'abord des verres à soie. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. Assieds-toi. Faut que je te parle. Alors attends, je suis perdu. Alors dans... attends. Ouais. Moi, je veux juste tester ce truc d'incubateur là, quand même. Oui, tout à fait. Parce que voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut foutre là-dedans? Si je fous une larve commune, analysée. Ok, ça trouve rien. Comment ça, il faut mettre trois quoi? Si je mets trois fois à la même. Alors, tu me parles d'anal. Tu me demandes ce qu'il faut mettre trois fois. Alors, moi, j'ai une réponse. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne. Oh là, on est beauf. Il faut foutre quoi? Je sais pas. Ah non, je peux pas mettre le semoir d'arbre là? C'est une plaisanterie? Oh non! Tu voulais le mettre où? Eh ben, le seul endroit où on a justement de l'herbe. Oh non! On peut pas à cause de toutes les machines. C'est tellement grand? Un peu. Ah, mais non, il faut le mettre. Regarde, à placer sur l'eau. Bah, c'est une blague. Il y a une bouée en dessous. Ah, ok, bah vas-y, je vais mettre ça en bas. Justement, c'est pour faire pousser des arbres autour de l'eau, quoi. Ah bon? Logiquement, oui, c'est ça. Voilà. Ah, mais il faut mettre un truc. Ah, oui, il faut mettre un truc d'arbre aussi. Oh putain. Ah, oui, bah je m'en occupe, t'inquiète. Hein. Vas-y. Fais tes expériences et puis tiens-moi au courant. Tu connais mon 07. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas comment ça marche. Donc, je t'avoue que. Ah, c'est un abandon précoce. Bah, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas comment ça fonctionne. Graines d'arbre. Ah bah voilà, c'est le fameux 1200%. Si je fous un mutagène. Pas un mutagène, un échantillon de bactéries. Avec ça et ça. Genre ça, ça et ça. Analysé. Aucune correspondance.
Ah. Qu'est-ce qu'il faut foutre là-dedans? Et ils disent pas, hein. Ah. Utilisé pour créer des nouveaux insectes à l'aide de larves et de À mutagènes. l'aide. Les mutations peuvent générer différentes larves avec les mêmes recettes. Certaines mutations doivent être découvertes. Donc il faut bien des mutagènes. Ok, donc c'est bon signe ça. Alors attends. Je prends les Bon. mutagènes. On verra ce que ça donnera cet arbre, cette plantation d'arbres. Et genre, je mets des larves et un mutagène. Analyser. Aucune correspondance trouvée. C'est vraiment de la merde ce jeu. Mais Alors. putain, mais je mets des mutagènes! Ah, mais attends, si je mets que le mutagène? Non? On Si peut je pas mets. vendre les cartouches de C'est métal. ça. On peut vendre ça. Je regarde les trucs qu'on peut vendre, qu'on a en masse, qui nous sert à rien et qui coûte cher. Ouais. Même si c'est mal barré. Ah, y a. Pour créer de nouveaux insectes à l'aide de larves et de mutagènes. Alors, j'ai des larves, j'ai des Mon mutagènes. frérot, le quartz Ouais. pulsar, il vaut 25. Et on a énormément Ah. d'énergie, on n'en a pas besoin. Vas-y, hein. Allez. D'accord, j'ai compris. Putain, on est trop con. Dis-moi. À côté, il y a les recettes à côté, quoi. Je vais peut-être en laisser quand même quelques-unes de quartz pulsar. Donc, pour faire des vers à soie, il me faut larve peu commune, échantillon de bactéries et engrais. Larve de papillon chevronne, 250%. Il faut larve rare, mutagène, engrais. Comment on fait des larves rares? Je. Eh ben dans le Faut les. manipulateur d'ADN, non, en vrai. Non? Ah. Non, je sais pas. Ah non, en fait, on les débloque, tout simplement. Ah, ok. À 92 tonnes d'animaux, on est à 0 grammes. Voilà. D'accord. Voilà. Bon bah oui, on va aller se faire foutre pour le moment. Larve commune, y a rien à vendre là. Ah. Nul. Ok, bah viens, on va aller au truc commercial. J'arrive. Ouais, pas de soucis. Comme ça, on va voir. Alors déjà, je rappelle, on a envoyé une fusée vide. Évidemment, elle est revenue vide. Ça, c'est logique. Et du coup, Le test. là, tu mets dedans donc tes quartz pulsars, par exemple. Ah attends, paramètres, lancer automatiquement une fusée. Ah, ok d'accord, pardon, oui. Ouais, en gros, dès que t'as rempli tout le contenant, ça part direct, je pense. Ok d'accord. Ce qui est Bah du coup tu mets dangereux. ça, et donc là si tu logiquement si tu l'envoies, attends, ça dit ou pas ce que. Non ça dit pas. Ça dit quoi? Ah si Si, si. regarde, valeur Valeur actuelle actuelle de dans l'inventaire, l'inventaire. bien vu. 275 pour tout ça. Bon. Mais attends, on avait trouvé où les jetons de Terra On les a dans quel vaisseau? trouvés dans les vaisseaux. Je sais plus à quel moment. Pourquoi on a rien trouvé là dans toutes les expos qu'on vient de faire? Je sais pas moi. Je sais pas Parce moi. que mec, 275 pour tout ce qu'on a foutu, pour tous les quartz là, Qu'est-ce qu'on pourrait. c'est Attends, peu juste quoi. regardons ce qu'on pourrait débloquer d'utile, hein, parce que là, il y a trop de trucs qu'on voudrait débloquer, mais de vraiment utile. T'as vu en dessous il y a écrit objet de valeur, mais bon, c'est pas vraiment valeur quoi. Ah! Ouais, mais c'est les ce qu'il faut miser, quoi. Ah, t'as vu, il y a des biscuits. Des biscuits, ouais. Augmente la vitesse de course pendant un bref laps de temps. Trop bien. S'en fout, on a les jetpacks. Oui. Ah, les moteurs de fusée, 13 jetons. Ah oui, ce qu'on avait dit avant. Ouais, mais les fusées, il vaut mieux les garder pour lancer des fusées, quoi. Les Oui, moteurs, tu vois. tout à fait. Ah bah le tissu, on pourra le fabriquer, peut-être que ça vaudra le coup, je sais pas. Mec. Ouais. Regarde à côté dans objets échangeables, ok? Ouais. Genre, regarde. Bah, regarde les fusibles en fait. Valeur commerciale, le fusible de pression, 2500, et on en a 4 ou 5. Ouais, fusible de pression, ouais. Après, les fusibles, il faudrait les garder quoi. Ah, tu penses qu'on peut les vendre? Ouais, oui, on peut, mais bon, le problème c'est que c'est assez important quoi. Regarde les combinaisons en dessous, il y a deux combinaisons. Spatial, Widio, 8000. Oh oui, non, mais allez vous faire foutre. Hein. Alors, il y a beaucoup de trucs, genre, voilà, compartiment de vie, fontaine, ça, ces trucs, forcément, on les prendra parce que c'est magnifique, mais là, c'est vraiment pas la prio. Ouais, mais. En fait, il n'y a aucune priorité finalement là. Pourquoi il y a écrit total des jetons Terra échangés en bas? Enfin, au-dessus, tout en haut. Total des jetons T'as Terra les échangés. 8000? C'est ce Mais qui est disponible? je crois que c'est ce que j'ai acheté. Mais non, parce qu'on avait 13 000 au début. Et t'as acheté le casier et on est passé à 8000. Bah c'est ça? Ah oui non. Ah bah je sais pas. Mais 13. Total des jetons Terra échangés. Je sais pas, mais c'est pas très Chelou. très important. En vrai, du coup, je pense que là, il faut qu'on vende et qu'on économise parce que quand on aura genre téléporteur ou la puce,
Eh ben, on sera bien content d'avoir les points pour les acheter. Bah c'est ça, donc pour l'instant, ouais. Allez, vas-y, on envoie. Ouais, vas-y, on fait envoie, péter le décolleté. Et on va dessus. Ah, on peut la dévier peut-être. Ah oui. Oh ah, là par là. Contre, là, ça va. J'espère que ça va. Mais bien sûr que non. T'imagines ça alors. Mais non, Ludo, c'est visuel. Bon, ouais, elle est partie. Elle part dans les rochers. Allez. Ah ouais, c'est vrai. Mais t'inquiète, elle reviendra à droite, hein, je pense. Hein. Allez, parfait. T'imagines, elle revient comme elle est partie. Ce serait très drôle. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal en vrai. Et on a bientôt débloqué le téléporteur. Et on a fait tout ce que vient. On va dans ce biome là. Ouais, on a fait tout ce qu'on voulait faire en plus. On a fait tout ce qu'on avait dit. Hein. Pour oh, c'est propre. Ah, t'es trop beau par contre là avec les papillons et tout. Oh là là. On est des vraies princesses. On est vraiment des princesses. Oh là, c'est magnifique. Comment on enlève le HUD, je ne sais pas. Mais c'est très beau. Oh là là, attends, je vais enlever le HUD. Option. Jeu. Non. Graphisme. Oh, on peut pas enlever le HUD. Oh, le seum. Bon bah voilà. Sinon tu fais une émote, tu sais. Bah oui, mais... personne, quoi. Mais du coup, ouais, je te vois pas, quoi. Ouais, coucou. Dommage, ouais. Bon bah voilà. Bah les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode sous les stroboscopes. C'est incroyable. Merci Ludo pour cet épisode incroyable. Et bah de rien. Merci à toi, magnifique. Et merci à vous les viewers. J'espère que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à liker, à commenter, dire ce que vous en avez pensé, parce qu'on avance et c'est juste incroyable. Et à chaque fois on dit ça, et à chaque fois on franchit une étape, et on pensait pas que ça serait comme ça, et ainsi de suite. C'est incroyable, voilà. C'est fou. C'est trop bien, ouais. C'est génial. Je deviens épileptique. Et là, prochain épisode, hein. Prochain épisode, téléporteur, hein. Ah bah clairement. Téléporteur et peut-être pile à combustible à fusion là. Je sais pas, mais on va focus. Ça repartira sur de la grosse exploration. Oh là là. Oh, y a un papillon sur moi, regarde. Tu le vois ou pas? Y en a deux même. Non, mais du coup, je suis pas fou. Moi, ouais, ils se posent sur moi. Bah voilà, mais je t'avais. Ils sont pas collés à moi, mais. Je t'avais dit ça l'autre jour là, et tu disais. Ils sont non. Collés sur la hitbox. Mais en fait, c'est local, je crois. Ouais. Genre. On n'a pas les mêmes papillons, je pense. Non. Mais par contre, tu me prenais pour un fou l'autre jour. Ouais, mais j'avais pas vu en fait, mais ok. Alors que je suis pas fou. Je suis pas un fou, ok. Allez, salut tout le monde. Allez, salut. T'es pas fatigué de danser là? Je t'avoue que c'est... Là, je vois que tu transpires. Hein. Dans la combi, c'est pas l'idéal. Hein. En plus. Allez, nique les papillons, c'est bon, ça suffit. Ah non, c'est horrible. C'est le mec. Mais du coup, ça rajoute quand même 1500 et 3000 d'oxygène.